Bonjour, ici Salmine. Je suis là pour vous parler de paroles de l'album En chair et en os. Donc, la chanson. On est rendu à quelle chanson déjà? La chanson Tireur sensible. Donc, la chanson Tireur sensible, ça, c'est la deuxième tune qui a été faite pour l'album. Donc, ma quatrième tune de rap à vie, je dirais. C'est une tune vraiment un petit peu plus inspirée d'artistes comme de Cloud, un peu comme PNL. Puis, tu sais, avec l'autotune de A à Z. Je pense que c'est un peu une tune classique rap, on va dire, là, dans le sens, au niveau des paroles, un peu vantard, entre guillemets. Là, puis, qui critique un peu l'univers de ce que je vois du rap au Québec, dans le sens qu'il y a beaucoup de gens que c'est argent, gangster rap, puis ou trap, puis les paroles sont vides, tu sais. Puis tu te dis, il y a beaucoup de gens qui écoutent ça, mais malgré que c'est un vide au niveau des paroles, tu sais, puis les paroles apparaissent comme juste comme un instrument de musique dans ce cas-là, ce qui est bien parce que ça fait de la musique pour danser, ça fait de la musique plus pour le sentiment que procure la musique, mais je trouve que versus le rap qui se fait en France, le rap au Québec a tendance à avoir des textes moins travaillés, moins développés, puis moins réfléchis. C'est un peu ça que ça critique, cette chanson-là. Puis d'ailleurs, c'est un des textes de l'album le plus réfléchi au niveau de la construction. Là. Il y a beaucoup de punchlines dans ce texte-là. Puis surtout, je pense qu'une des plus hautes punchlines de l'album, c'est « J'ai plein de cordes sensibles à mon arc. Petite chenille va devenir monarque. » Donc le jeu de mots « monarque roi » puis « le papillon ». Je crois que vraiment, c'est une bonne tune d'album. Puis à la fin, c'est un petit clin d'œil à la scène punk rock. Je dis « The shape of the rap to come ain't got no use ». Donc, qui fait une référence en « The shape of the punk to come ». Par Refuse, donc c'est ça.